Donc s'il y a destruction de forêt, ce sont eux qui sont responsables. Et si on veut utiliser efficacement l'argent pour la gestion des forêts, une gestion durable de forêt, mais ce sont eux qu'il faut cibler. Et souvent, très souvent, ce n'est pas nécessairement l'argent qui manque. Mais lorsqu'il y a des financements qui sont disponibles, particulièrement dans le bassin du Congo, ce sont les organisations non gouvernementales, les organisations internationales qui courent derrière cet argent. Et une fois qu'ils prennent l'argent, ils font des études. Et ce n'est pas pour la gestion des forêts. Ce n'est pas pour la protection de la forêt. Je crois qu'il faudrait qu'on puisse revoir, essayer de cibler les ressources en direction de la cause de la destruction de la forêt.